que pour chanter jolie poupée comme ça, tout de suite. Je peux vous dire, on a le casting de rêve. Attention, tous les photographes, le casting de rêve. Attention, monsieur Bernard Menez, c'est à vous. 3, 4. Oh oh oh, jolie poupée, jolie poupée. Oh oh oh, jolie poupée, tu me fais rêver. Il y a des marteaux stylo intellectuels. Moi, je veux stylo marteau, je suis un manuel. Je tape sur un coup, je me tape sur les doigts. Je coupe un bout de bois, je me coupe un bout de bois. Heureusement, j'ai tout prévu en parita. Sous la main, j'ai du coton, du sparadrap. Oh oh oh, jolie poupée. Sur une poupée. Oh oh oh, jolie poupée. Tu me fais rêver. Bravo, monsieur Bernard Menez. Allez, Sandra, qu'est-ce que ça vous fait, Sandra? C'était vraiment sympa, c'était pour vous. Ah bah oui, c'est un honneur, c'est un bon plaisir. Hein, parce que ça fait plusieurs fois qu'on fait des salons ensemble avec Bernard, et c'est vrai que c'est toujours une fête. Hein. Bon, eh ben écoute, tu me donneras tes coordonnées, et dès que j'aurai l'occasion d'aller chanter Jolie Poupée, je t'appelle pour faire la Jolie Poupée, danser. Ah oui, je vois ça, elle danse très bien. Hein. Ouais. Si vous avez le mal de mer, ne venez pas. Si vous avez peur de l'eau, ne venez pas. Si vous avez peur d'aller bateau, ne venez pas. Mais non, je ne vais pas les tuer. Mais non. Je veux bien, j'encourage les gens sur une mer d'huile, j'encourage pas les gens. Des sardonnades? Non, de... Je pense qu'il peut pas venir. Ah oui, oui, je te sens pas courageux. Elles sont pH, hein? C'est vibré, mais là... Et même, ça fait réfléchir sur notre... Les autres, c'est... Alors, Bernard, pour être... Alors, bon, c'est pour vrai, conclure. Pour conclure, Bernard, si c'est avouable, en dehors de la littérature, des chats, des fourmis, de ton aventure extraordinaire dans le monde entier, quelles sont tes passions, quels sont tes rêves, réalisables ou pas? Alors, si c'est faire la voile demain, ça dépendra de la météo. Mes rêves? Oui. Le rêve, tiens, imagine que Alexandra, cette charmante personne, soit une fée et qu'elle puisse exaucer ton rêve d'un coup de baguette magique. Partir en croisière avec tous mes amis écrivains et on s'éclate sur le bateau pendant au moins 3 jours. Le mot c'est en médium. Kentek, tu peux prendre une photo? Sûr. Non, ne reste pas. T'auras jamais le même. Non, on laisse la porte devant Iran. Je me rappelle. C'était comment cette croisière? Bah écoute, c'était chouette, c'était inattendu parce que le bateau, dis donc, c'est quand même un métier. Hein. J'ai une grande émotion parce que je découvre aussi les gens de mer que je connaissais un peu par ma famille, mais que je découvre là encore plus de manière un peu plus forte. Donc merci à tous et je vous jure que l'année prochaine, on se retrouve. Monsieur Frédéric Mazet qui mérite encore une fois vos applaudissements, mesdames et messieurs, et que la fête continue. Salut, bye bye. We'll be right back.